Culture. Bonjour Linda Tamdali. Bonjour Linda. Saraya Zentar Hakim Bey, quel plaisir de vous retrouver. Oui. J'aime bien. Nous allons peut-être commencer par cette inauguration officielle hier de ce joyau architectural qui est la grande mosquée d'Alger qui autorise et qui permet tous les superlatifs majestueux, raffinement également. C'est une fierté pour l'Algérie, pour la capitale, donc ça va être certainement un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui viennent visiter l'Algérie et la capitale d'aller découvrir cette belle mosquée. On avait hâte de la visiter. Absolument, découvrir les bâtiments, espaces. Vous savez que ça a été fait avec des matériaux nobles, une architecture très très particulière. Il y a modernité et tradition. C'est un espace culturel et cultuel ouvert, donc où nous allons profiter au maximum de tout ce qui existe déjà dans ce bel espace, ce bel édifice, un musée aussi, un espace à découvrir. Il va y avoir aussi. Complètement. Religieux, spirituel, culturel également. Et puis un haut lieu de partage. C'est l'islam que nous chérissons, que nous voulons pour l'Algérie. C'est dans notre tradition et nos valeurs, un islam qui prône la paix, l'amour et la fraternité. Complètement, complètement. Vraiment, ça va être un espace d'échange, de partage, de dialogue aussi avec l'autre, un espace de paix. Et de prière, surtout. Et de prière aussi, bien entendu. Donc ça, c'est vraiment, je voulais qu'on revienne un peu sur ce qui est l'inauguration hier de la mosquée d'Alger. Et puis, on revient aussi sur le rendez-vous phare. Vous savez qu'il y a ce grand événement donc, qui ouvrira ses portes le 29 de ce mois ici à Alger, et nous allons aussi revenir sur cet événement donc, économique, mais qui lie aussi la culture et l'art, à savoir des concerts de musique un peu partout à travers le territoire national et notamment la capitale. Et puis par exemple aujourd'hui vous avez une conférence en ce lundi 26 février à la Galerie Mentori avec Nourdine Saoudi qui donnera une conférence sur la musique andalouse à 14h30. C'est un rendez-vous à ne pas rater. Nous avons également ce week-end, ce jeudi, avec l'ouverture de ce grand événement donc autour des exportateurs de gaz et le sommet des pays exportateurs de gaz. Il va y avoir aussi un bel événement au niveau de l'Opéra d'Alger, où il y aura donc un concert de musique animé par Lila Borsali et par des jeunes aussi chanteurs lyriques. On va revenir aussi sur le ballet de l'Office national de la culture et de l'information de l'ONCI, celui de l'Opéra d'Alger. Donc ça va être aussi, il y a pas mal de rendez-vous un peu partout dans toutes les salles. Il suffit de s'informer, de vous suivre, voilà. Tout à l'heure à 9h. Pour tout savoir. Merci, à tout à l'heure, Linda Tanoy.